vous devez savoir, protéger les lignées de parrainage. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que vous devez savoir en ce qui concerne le processus de demande d'adhésion pour les distributeurs indépendants Herbalife Nutrition. La protection des lignées de parrainage est essentielle au maintien de l'intégrité du plan de marketing et de vente Herbalife Nutrition. Les distributeurs travaillent fort pour développer leur entreprise et soutiennent activement leurs équipes en les formant et en les motivant. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre et de suivre les règles lorsqu'il s'agit de remplir un formulaire de demande d'adhésion. Une personne ne peut utiliser et soutenir qu'une seule adhésion Herbalife Nutrition sous un seul parrain. Cela s'applique aussi à leur époux, épouse ou partenaire de vie. Les distributeurs ne peuvent participer qu'aux activités qui développent leur propre entreprise, notamment la vente au détail, l'offre de l'occasion d'affaires Herbalife Nutrition, la formation et l'éducation de leur équipe. Les couples mariés ou partenaires de vie peuvent avoir et participer à une seule demande d'adhésion. Ils ne peuvent pas se parrainer mutuellement. Ils doivent remplir une seule demande d'adhésion sous un seul parrain. Seuls les distributeurs ayant un statut de superviseur ou un statut plus élevé lors du mariage ou de la relation de partenaire de vie peuvent faire exception à cette règle. S'ils n'ont pas atteint le niveau de superviseur, l'un des deux distributeurs doit renoncer à son adhésion. Si les deux distributeurs ont atteint le niveau de superviseur ou un statut plus élevé au moment où ils se marient ou commencent une relation avec un partenaire de vie, ils peuvent décider de continuer ces activités Herbalife Nutrition respectives et de conserver leur lignée de parrainage. Les anciens participants doivent compléter une période d'attente, période d'inactivité, avant de pouvoir adhérer ou participer à nouveau sous un autre parrain. Diverses périodes d'inactivité s'appliquent aux distributeurs selon leur statut. Pendant cette période d'attente, les anciens participants ne peuvent pas participer à l'entreprise Herbalife Nutrition de quelque façon que ce soit. Cela inclut acheter des produits hors usage personnel, vendre des produits ou des matériaux Herbalife Nutrition, parrainer ou offrir l'occasion d'Herbalife Nutrition, promouvoir, aider ou soutenir toute adhésion, assister à toute formation ou réunion sur Herbalife Nutrition ou sur l'adhésion, visiter les clubs nutrition, à moins d'agir uniquement en tant que client et de ne participer aucunement à l'occasion Herbalife Nutrition. La période d'inactivité peut être annulée par Herbalife Nutrition si le distributeur adhère sous le parrain d'origine et que ce dernier est demeuré dans l'organisation d'origine. Si un ancien participant dépose une demande pour une nouvelle adhésion, il doit informer Herbalife Nutrition de son statut au moment de la demande et fournir son ancien numéro d'identification Herbalife Nutrition. Si vous parrainez un nouveau distributeur, assurez-vous de lui demander s'il a déjà participé à l'entreprise Herbalife Nutrition dans le passé. S'il n'a pas complété la période d'inactivité, sa demande peut être refusée. En cas d'infraction, le distributeur et ses lignées inférieures peuvent être déplacés vers le parrain d'origine et Herbalife Nutrition peut appliquer des ajustements des gains monétaires. La création des deux franchises de distribution peut entraîner des sanctions. À mesure que vous édifiez votre entreprise Herbalife Nutrition, si vous avez des questions au sujet de la protection des lignées de parrainage, visitez myherbalife.com ou appelez l'un des membres de notre équipe. Suivez les règles Herbalife Nutrition pour protéger votre entreprise. Vous faites la différence.